Elle s'appelle Katia Asselin-Paquette. Elle est assistante technique senior en pharmacie. Son métier est aussi passionnant que polyvalent et c'est la raison pour laquelle elle aime tant ce qu'elle fait et ça paraît en entrevue. D'ailleurs, le 6 de la Gaspésie est à la recherche de 6 ATP seniors, principalement dans Rocher-Percé et Haute-Gaspésie. TVRP vous invite donc au cœur de la pharmacie de l'hôpital de Chandler en compagnie de Mme Asselin-Paquette qui nous raconte son métier comme nul autre. Voici mon reportage. Bonjour, je m'appelle Katia Asselin-Paquette et je suis assistante technique senior en pharmacie au 6 de la Gaspésie à l'hôpital de Chandler. Dites-moi, ce métier que vous faites, en vos mots, à quoi ça ressemble? Un métier, en fait, qui est très polyvalent dans le sens où est-ce qu'on peut toucher à vraiment, vraiment des tâches différentes une de l'autre. Oui, on s'occupe de la médication des patients, c'est sûr et certain, dans le sens que lorsqu'on se fait hospitaliser, il va y avoir une administration de médicaments qui est faite par l'infirmière, qui est prescrite par le médecin, mais avant ça, le médicament est à quelque part. Donc, le médicament est ici à la pharmacie, puis c'est nous, les assistantes techniques en pharmacie, qui s'occupent d'informatiser, en fait, les prescriptions qui sont faites par le médecin, envoyées, acheminées à la pharmacie par les infirmières. Donc, nous, on les rentre dans les dossiers patients pour qu'ensuite, un pharmacien puisse, s'assurer que la médication est la bonne pour le patient, pour sa condition, qu'il n'y a pas d'interaction entre les différents médicaments. C'est une des difficultés d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est parce que le médecin, en fait, lui, il est vraiment. C'est un peu une encyclopédie des maladies. Mais le pharmacien, lui, va être l'encyclopédie des médicaments. Donc, c'est vraiment le médecin va savoir quelle est la maladie. Il va savoir les principaux médicaments, oui, qui vont servir à traiter cette maladie-là, à la guérir ou à soulager. Oui. Mais c'est vraiment le pharmacien qui, lui, va connaître tous les autres médicaments qui peuvent également faire cette job-là, si je peux dire, et qui seraient peut-être plus adaptés pour ce patient-là, pour sa condition. Ça veut dire que le dernier mot, c'est qui est là sur la médication? Oh, ça dépend toujours des cas, mais... Une question délicate. Oui, exactement. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'assistante technique en pharmacie, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là. Oui. C'est vraiment le pharmacien. Donc, moi, en fait, je vais plus vraiment être du côté technique dans tout ça. Donc, une fois que le pharmacien va avoir analysé ce que le médecin a prescrit, ce que nous, on a rentré dans les dossiers, lui, il peut nous retourner l'ordonnance en disant « Non, j'ai parlé avec le médecin, finalement, on va prescrire autre chose, on va prescrire une dose plus forte, plus faible. » Donc, nous, on va faire les modifications dans le dossier. Puis ensuite, on va faire parvenir la médication aussi au personnel soignant. Donc, c'est nous qui allons s'occuper de donner, quand c'est une pilule, bien entendu, on envoie la pilule à l'étage, l'infirmière s'occupe de l'administration. Mais ça peut être aussi des préparations stériles. Donc, des choses qui vont se donner, en fait, au niveau des veines, par voie intraveineuse, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Donc, ça, c'est des médicaments, parfois, qui doivent être préparés de A à Z, en fait. Des solutés, comme ça ici, je ne sais pas si on voit. Oui, on le voit. Très bien. Donc, ça ici, en fait, c'est un soluté qu'on peut dire vierge, donc qui est seulement... avec du dextrose, en fait, qui se vend déjà préfait. Mais nous, on va devoir, par exemple, injecter un antibiotique dans ce sac-là pour qu'il soit administré au patient. Puis ça se fait en milieu stérile. Donc, c'est vraiment fait un peu comme dans les émissions comme Stat ou tout ça qu'on peut voir là, quand ils se lavent vraiment pratiquement jusqu'au coude, qu'ils sont habillés là, vraiment des pieds à la tête avec des uniformes pour que ce soit vraiment le plus stérile possible. Eh bien, nous aussi, on fait ça. Sauf que nous, c'est pour aller travailler sous hotte. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, en fait? Non. Quand on dit stérile, c'est que c'est vraiment, il faut qu'il n'y ait pratiquement rien dans, dans la poche de soluté, à part le médicament, à part l'ingrédient actif ou la base. Donc, il ne faut pas qu'il n'y ait aucune bactérie, aucun poil, aucun rien du tout. Là. Donc, c'est la passion ou rien finalement, ce métier?
Il faut absolument vraiment avoir le souci du détail. Si on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître, c'est très important. Si on se trompe, on peut pas faire comme « Ah oui, c'est vrai » ou c'est vraiment, faut absolument révéler là, toutes les petites failles qu'on pourrait déceler pour que ce soit vraiment le plus sécuritaire pour le patient finalement. Ce métier, c'est la formation, ça ressemble à quoi? La formation, en fait, c'est présentement, c'est un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles qui se fait, là, si je ne me trompe pas maintenant, c'est sur 2 ans, avec des stages en milieu hospitalier, puis aussi en milieu communautaire, qu'on appelle, donc dans une pharmacie là, comme Jean Coutu, Brunet, Nipri, les bannières qu'on connaît. Donc, il y a des assistantes techniques en pharmacie également qui préparent les médicaments. Donc, c'est dynamique. Un autre, oui. Puis, il y a une autre possibilité d'emploi, en fait, là, pour lorsqu'on a le diplôme. Mais à l'hôpital, il faut absolument avoir le diplôme, ce qui n'est pas le cas si on veut travailler dans une pharmacie. Donc, ça peut être plaisant, peut-être, de toucher au milieu en allant en travail étudiant, par exemple. Ouais. Puis, après ça, si on aime ça, on peut se diriger vers le milieu hospitalier où est-ce que là, on va pouvoir toucher à une éventualité. On va pouvoir faire une éventualité de tâches beaucoup plus diversifiées. Une dernière question. Vous avez vraiment le sentiment d'être utile, on s'entend. Là. Oui, absolument. C'est qu'on trouve des vies, là, c'est la vie ou la mort. C'est, en fait, c'est une. On est une barrière, vraiment. C'est la première barrière pour s'assurer que le patient soit traité de la meilleure façon possible pour lui, en fait. Là. Quand il faut délivrer un médicament d'urgence, quand il faut prendre des décisions, aller rapidement, c'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Puis il faut aimer ce qu'on fait, puis il faut le faire de la meilleure façon possible. Dernière question. Moi, je veux faire ce métier-là. Qu'est-ce que vous me recommandez là, pour bien me préparer à ce métier? Quels sont surtout les talents que je dois avoir pour m'assurer de bien faire mon travail? La minutie. C'est sûr que quand on parle justement là, de travailler sous hôte stérile, de préparer de la médication à laquelle on doit porter vraiment des précautions particulières. Donc, il faut être minutieux. Il faut avoir aussi l'esprit de comment je pourrais dire, les mots manquent. Des réflexes chimiques, réflexes... Oui, des réflexes aseptiques, entre autres. Okay. Des réflexes... Si on pense voir une erreur ou quelque chose que l'on a fait soi-même ou quelqu'un d'autre le fait, faut pas avoir peur de poser des questions. Oui, c'est ça. Je devrais dire, parce que, l'être humain est pas un être infaillible, mm-hmm. Donc il faut un peu constamment se remettre en doute, en fait. Là. Okay. Si on est sûr à 100% de ce qu'on fait, parfois, ça peut devenir dangereux parce qu'on peut faire des choses par réflexe puis être moins peut-être consciencieux dans ce qu'on fait. Donc, toujours porter un doute, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Puis on se double vérifie, triple vérifie. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup ici, là, justement. Moi, je prépare quelque chose, ma collègue va vérifier et quelqu'un d'autre va vérifier par-dessus ou encore même un pharmacien va venir vérifier aussi pour être sûr justement là, qu'on a presque une quadruple vérification là, avant que le médicament parte pour que le patient reçoive véritablement la bonne chose. Merci beaucoup. C'est très, plaisir, très intéressant. Bravo. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.